Alors bonjour à tous, bienvenue sur DailyFX.fr, morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Alors, je vais faire un point sur ce qui se passe sur ces marchés avec depuis ce matin la poursuite des tensions, vous le savez, sur le taux d'intérêt des emprunts d'État au sein de la zone euro. C'est quelque chose qui a été assez détaillé ce matin dans l'émission Good Morning CAC 40. Le Bund teste une ligne de tendance importante. Les marchés actions de la zone euro se stabilisent après avoir atteint des niveaux de retracement assez importants de toute leur vague haussière impulsive qui s'est déployée tout au long du premier trimestre. Le taux de change euro-dollar, pour le moment, reste en position sous un seuil important à 1,1380 $. C'est une résistance décisive. D'ailleurs, de manière générale, c'est l'euro en tant qu'indice devise sur le marché d'échange qui teste un seuil horizontal décisif, c'est ce que nous montre, vous le savez, l'euro index. Je parlerai de l'once d'or, je parlerai du pétrole et des paires en dollars majeurs, et sans oublier bien sûr le contexte fondamental du marché. Puis une phase de questions-réponses, d'ailleurs tout au long de cette présentation, comme chaque webinaire sur dailyfx.fr, vous laissez traîner vos questions dans la section commentaires qui se trouve juste à droite de l'écran où vous assistez, où vous pouvez visualiser l'écran que je partage. Alors, petit rappel, dans la partie en bas à droite du carré où vous assistez ici à mon écran, vous avez une petite molette qui vous permet d'une part d'ajuster la qualité de l'image. Alors par défaut, vous n'êtes pas sur la qualité optimale. Vous pouvez changer ça en basculant sur HD. Et enfin, en bas à gauche de la fenêtre où vous voyez mon écran, vous avez une molette de son. N'hésitez pas à modifier ces paramètres pour une meilleure qualité en temps réel de webinaire. Vous avez pu prendre connaissance de cet avertissement sur les risques. Alors, premier graphique que je tiens à vous montrer, c'est une capture d'écran Bloomberg de l'environnement des taux obligataires souverains au sein des grandes économies. Et ce que nous pouvons constater, c'est que les tensions, elles sont globales. Sur les marchés de taux souverains, elles ne concernent pas uniquement la zone euro. Alors les marchés sont volatiles, ils sont à nouveau volatiles ce matin, avec un plus haut de 7 mois en séance sur le taux obligataire du Trésor US à 10 ans, mais aussi en Allemagne, plus haut annuel au sein de la zone euro. De manière générale, le marché attend toujours un accord entre la Grèce et ses créanciers. D'ailleurs, a priori, encore aujourd'hui, une réunion devrait avoir lieu entre Alexis Tsipras, François Hollande et Angela Merkel. Bref, la situation est délicate. Le marché que vous avez sous les yeux, qui est le marché des taux d'intérêt, influence le marché d'échange. Les indices boursiers sont dans une phase d'attente. Je vais d'ailleurs revenir ce matin sur l'approche héliotiste des grands indices boursiers au sein de la zone euro. Voilà donc moi ce que je peux vous présenter ce matin, avec donc l'ensemble de ces tensions haussières. Certes, on constate que ces tensions sont essentiellement du côté de la zone euro, avec par exemple un rendement grec à 10 ans qui dépasse les 11%, celui de l'Allemagne qui ce matin dépasse les 1%, celui de la France qui atteint les 1,40%. 1,05% par exemple sur cette ligne-là pour le rendement allemand, ça vous paraît pas beaucoup. Dans l'absolu, c'est faible, 1,05%. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a environ maintenant quelques semaines, environ 8 semaines, ce rendement-là était à 0,07%. Alors, lorsqu'on passe de 0,07% à 1,05% en termes de performance relative à court terme, c'est quand même énorme. Et c'est cette vitesse de remontée des taux obligataires au sein de la zone euro qui a globalement impacté tous les marchés financiers. C'est pourquoi tous les yeux des opérateurs sont tournés vers ce marché de la dette. Alors, avant d'en venir à des graphiques intraday, laissez-moi revenir sur l'approche en termes de vague d'Elliott. Ça fait longtemps, des grands indices boursiers au sein de la zone euro. J'ai le sentiment que la phase de marché la plus importante sur les indices boursiers de la zone euro, c'est la phase de hausse qui a eu lieu entre le point bas du choc de la Banque nationale suisse le 15 janvier dernier et le point haut qui a été inscrit le 27 avril dernier. C'est une phase de hausse extrêmement impulsive, linéaire, et c'est la plus ample de toutes, et je pense que c'est le mouvement principal. Et j'estime finalement que ce que fait le marché depuis la fin du mois d'avril, c'est qu'il retrace cette vague de hausse importante. Alors, le chandelier d'hier est un chandelier de stabilisation, mais ce n'est pas un chandelier de creux de marché. Pour envisager un point bas sur les indices boursiers de la zone euro, il est très important de refranchir les points bas du 7 mai. C'est des niveaux qui ont été cassés en début de semaine et cela se situe par exemple à 4870 points sur le CAC 40. Sur le court terme, la dynamique du CAC 40 s'est neutralisée entre 4780 points et 4870 points. Le risque de baisse demeure. On peut tout de même observer ce matin la relative résilience des actions de la zone euro.
aux nouvelles tensions sur les taux obligataires, alors que ça a pu soutenir l'euro, mais ce taux de change euro-dollar qui, lui, pour le moment, reste positionné sous des résistances importantes, et notamment les 1,1380 du taux de change euro-dollar. Alors, avant de venir à des graphiques intraday, laissez-moi revenir sur deux marchés. L'indice CAC 40 depuis le début de l'année, vous avez ici les chandeliers japonais journaliers, et ensuite je vais établir le même type d'approche sur l'indice Eurostoxx 50. Comment je vois les choses sur ces marchés ? Je prends le mouvement en place depuis le début de l'année, je reviens donc sur cette grande phase d'appréciation entre le point bas de la Banque Nationale Suisse, nous étions là donc le 15 janvier, avec un point bas du CAC à 4115 points, et le point haut qui a été établi à 5280 points. J'estime que cette phase de hausse entre 4120, entre 4115 et 5280, c'est le mouvement principal. Depuis, ce que fait le marché depuis la fin du mois d'avril, c'est qu'il retrace cette phase de hausse. D'ailleurs, la phase de retracement, on l'a commencé à 5280 points, c'était cette fameuse ligne de tendance baissière en place depuis longtemps. Elle attrape le sommet de l'année 2000 et le sommet de l'année 2007. Comment se construit la correction depuis le début du mois de mai ? On identifie trois temps assez nets. Une première phase de baisse entre 5280 et la séance du 7 mai, ici, à 4870. Une reprise technique à 5190 points. Et une nouvelle jambe de baisse. Alors, l'idée, c'est de raisonner à la fois en retracement et en extension. J'espère que le son fonctionne normalement. Oui, ça a l'air d'être bon. En retracement, comment ? D'une part, j'applique un ratio de retracement à la phase de hausse qui a eu lieu entre 4115 et 5280, et j'obtiens donc 4700 points, c'est 50% de retracement. Sauf qu'attention, l'indice Eurostoxx 50, il est déjà sur ces 50% de retracement. Et donc, je projette ensuite l'amplitude de la vague A au sommet de la vague B, et j'obtiens le point bas d'hier, 4783, soit un A égale C. Alors, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Ce ne sont que des proportions de marché, sauf que parfois certaines proportions ont un rôle important, elles sont suivies, puis elles peuvent représenter quelque chose en termes de capitaux. Ce que maintenant, moi, je peux vous dire sur la bourse de Paris, ici, représentée par l'indice CAC 40, c'est que deux bornes sont à suivre, le point bas d'hier, forcément, 4780 points, et surtout la résistance à 4870 points. Il est important de sortir de ce range pour envisager la suite des événements. Et pour le moment, eh bien, nous sommes en plein cœur de ce marché. Je reviens sur l'indice Eurostoxx 50 qui, lui, m'intéresse aussi. Dans la phase de baisse qui a eu lieu sur l'Eurostoxx 50 depuis le 22 mai, on a eu une succession de chandeliers hautement négatifs. Et puis, on a le chandelier d'hier qui est une forme presque de chandelier d'hésitation, c'est pas vraiment un doji, mais la taille du corps était très réduite en plein cœur du nombre haute et du nombre basse. La séance d'hier est donc une séance de stabilisation, mais ce n'est pas une séance qui porte en elle les caractéristiques d'un creux majeur. En clair, pour l'instant, c'est trop tôt. Cependant, on se stabilise. La stabilisation de l'Eurostoxx 50, elle se fait entre une zone de prix importante, qui passe, pour simplifier, à 3420 points. 3420 points, c'est 50% de retracement de toute la hausse entre le point bas du jour de l'abandon du PEG par la Banque Nationale Suisse et le point haut de cette séance du 13 avril à 3840 points sur le marché Eurostoxx 50. Alors en début de semaine, l'Eurostoxx 50 il a basculé sous les points bas du 7 mai. Et je pense désormais que ce marché s'installe aussi dans un range très important entre 3420 points et 3480 points. Tant qu'on reste sous les points bas du 7 mai, tant sur le CAC que sur le DAX que sur l'Eurostoxx 50, les marchés actions de la zone euro sont en risque. Un premier signal positif, s'il devait être donné, serait de refranchir ces niveaux. En tout cas, c'est toute première résistance, sachant que nous sommes quand même ici sur une conjonction de seuils techniques pouvant supporter le marché, des lignes de tendance, des ratios de retracement. Mais voilà, le fait d'atteindre un support, c'est la première condition pour envisager une stabilisation, mais il manque la plus importante, qui est celle de construire un creux en franchissant une résistance. Donc, statu quo, on attend, indécision totale, et les yeux sont toujours tournés à la fois sur le plan des fondamentaux vers la Grèce, forcément,
et puis surtout sur le plan des actifs financiers vers le comportement du marché de la dette et notamment du prix des obligations d'État, de la volatilité de manière générale sur ce marché. Volatilité qui tend donc à continuer d'augmenter séance après séance. Et c'est vrai que le marché a hâte finalement de constater une stabilisation de cela. Alors, sur les taux souverains européens, donc, on constate donc toujours ces tensions, même si on se stabilise. Sur le rendement du Trésor US à 10 ans, il y a eu hier un pic en séance aussi à 2,45%, même si on ne peut pas comparer les deux tensions entre ces marchés, il y a quand même un mouvement général. Ça a pu là aussi expliquer, ou en tout cas servir d'élément intermarché pour trouver, mettre en avant quelque chose et expliquer le repli de Wall Street. Parmi ces graphiques en données journalières, je vais revenir aussi sur le prix du pétrole, l'once d'or, et ensuite je vais passer sur des charts intraday. C'est important, je pense, de parler du pétrole. La dynamique du marché du pétrole, elle est globalement positive, vous le savez, depuis le milieu du mois de mars. Hier, les derniers éléments fondamentaux connus? Première chose, et c'était probablement un non-événement, la réunion de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, vendredi dernier. C'est un non-événement puisque rien n'a changé. Je parle aujourd'hui du pétrole brut US parce qu'il teste, et c'est presque le cas, une ligne de tendance baissière en place depuis très longtemps, celle qui attrape finalement la dynamique depuis le mois de juin dernier. Cette même oblique que le pétrole britannique, hein, le contrat Brent, a déjà débordé. Il y a sur le marché du pétrole des velléités haussières, notamment depuis la séance du 5 juin, avec, comme anticipé, une remontée en direction des sommets qui ont été atteints au mois de mai. Ce sont des seuils très importants ici. Alors on constate l'importance de cette zone de résistance sur le WTI à 62,50 $, à la fois un niveau horizontal et en même temps c'est une ligne de tendance. Donc vous la voyez, cette ligne de tendance sur le pétrole brut US. Quant au Brent, j'apprécie le fait que la séance du 5 juin a vu les cours se reprendre sur cette ligne de tendance haussière. Et j'ai aussi le sentiment que le Brent pourrait s'essayer à une remontée en direction je sais pas, des 68 $. Alors, d'une certaine façon, si je suis parfaitement objectif, le pétrole brut US, depuis le début du mois de mai, il est dans un range. Mais à court terme, il y a des velléités haussières suite notamment à la révision en baisse des prévisions de production de pétrole hier par le département de l'énergie aux États-Unis. Et globalement, il y a de nouvelles, en tout cas des anticipations qui sont davantage positives de demandes de pétrole en provenance d'Asie. Donc ça, ce sont les toutes dernières données fondamentales qui tendent à soutenir le prix du pétrole. Alors on teste des seuils décisifs sur ce marché, notamment la partie haute de ce range sur le pétrole brut US. On peut parfaitement rester dans le range. Mais c'est simplement pour attirer votre attention sur une construction technique que je trouve à court terme finalement à nouveau haussière sur le Brent, mais le WTI qui s'attaque donc à cette zone qui me paraît aussi tout aussi importante. Alors, je vais bientôt passer sur des charts intraday. J'attire votre attention, toujours en données journalières, sur l'once d'or. Alors, l'once d'or, sa destinée est naturellement liée à ce qui se passe sur le dollar américain. C'est ce que vous montre ici cette juxtaposition de graphiques, le dollar US, l'once d'or. Ce qui se passe sur le dollar américain depuis vendredi dernier est très perturbant. La séance de vendredi, complètement annulée par la séance de lundi, excellent rapport NFP, complètement oublié par le marché dès lundi, alors que pourtant le marché du travail US, il est sur un plus haut hein, depuis plusieurs années. Mais bon, il y a eu peut-être des déclarations qui concernaient le risque que pouvait représenter un dollar fort. Enfin bref, il y a un mouvement étrange qui existe sur le dollar américain depuis quelques séances, qui me rend mal à l'aise. Parce que autant je n'ai pas le sentiment que le dollar US pourrait s'effondrer, mais on ne constate pas non plus un retour des acheteurs. Je souhaite pour le dollar américain que demain les chiffres des ventes au détail au mois de mai soient solides. Le consensus, il est solide.
consensus, il envisage un taux de croissance de 1,2% pour les ventes au détail aux États-Unis au mois de mai. C'est un bon chiffre, c'est un bon chiffre. Alors j'espère qu'il sera confirmé par le marché, voire même battu, et que le dollar US redémarrera. Et si c'était le cas, l'once d'or resterait prisonnier de son canal de baisse et donc pourrait reprendre cette phase négative. Mais pour l'instant, on teste la partie haute du canal et c'est pas non plus, il n'y a pas de rejet pour autant. Donc voilà, j'essaye moi au mieux de cadrer un peu l'ensemble de ces mouvements de marché. De manière générale, avant d'en venir à des graphiques intraday, je vous rappelle que tous les grands indices boursiers au sein de la zone euro testent un indicateur de tendance qui a son importance, en tout cas son importance du point de vue de l'analyse technique. C'est le fait que ces grands indices boursiers de la zone euro testent cette semaine la fameuse, fameuse pourquoi ? Parce qu'elle est connue parmi les chartistes pour tout un tas de raisons, la moyenne mobile simple à 30 semaines. Alors c'est un graphique que je vais vous montrer ici, le temps que je bascule sur mes graphiques en données hebdomadaires, les voici, et ensuite on parlera bien sûr d'autres marchés. Alors, voilà, moi c'est ce que j'observe cette semaine, c'est pourquoi je pense que cette deuxième semaine de juin elle est importante, et voilà pour le moment ce que les marchés essayent de tenir, cette, voilà, tant sur le CAC que sur le DAX, sur l'Eurostoxx 50, cette fameuse MM30, semaine, et donc de manière générale l'Eurostoxx 50 qui a retracé et donc 50% de toute sa hausse. Finalement la tendance haussière qu'on appelle la tendance haussière annuelle, enfin celle qui a démarré le 1er janvier, moi finalement le mouvement je le fais commencer à 3000 points sur l'Eurostoxx 50. Je fais démarrer la hausse annuelle le 15 janvier. C'est vraiment pour moi le point bas du 15 janvier qui est le mouvement principal. Parce que voilà, c'était la BNS, c'était tout un tas de choses. Et puis on a aussi, finalement, ça correspond pile poil aux 3000 points sur l'Eurostoxx 50. C'est aussi un seuil rond. Bon, bref, on va pas s'enfermer là-dedans non plus. Mais voilà comment un peu je vois les choses. Alors, bon, Wall Street, on aura l'occasion d'en reparler notamment cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider. Laissez-moi basculer maintenant sur des charts intraday pour répondre à vos questions sur d'autres marchés. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée importante pour le prix du pétrole parce que comme chaque semaine, on prendra connaissance de l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis selon justement le département de l'énergie, l'administration américaine d'information sur l'énergie. Donc ça influencera le prix du pétrole. Que nous disent les graphiques intraday ? Tout d'abord sur le taux de change euro-dollar. Alors, ce matin, vous a été présenté l'euro en tant qu'indice de devise qui teste un seuil très important, justement parce que l'euro en tant qu'indice de devise, il est revenu sur ses sommets post-Banque Nationale Suisse. Il y a eu un choc sur l'euro en tant qu'indice de devise suite à l'envolée du franc, et puis il était remonté, et puis voilà, depuis il reste sous ses niveaux de remontée. Il en est proche. Ce qui correspond sur le taux de change euro-dollar au niveau des 1,1380$ et de manière générale à cette ligne de tendance qui passait en fait à 1,1350-1,1360$, vous la retrouvez ici, voilà, cette ligne de tendance qui passait à 1,1350$. Alors, c'est vrai que le chandelier H4 du taux de change euro-dollar, il est baissier quand même, il faut l'admettre. On a un chandelier H4 du taux de change de l'euro-dollar, j'appelle pas ça un chandelier bullish. On a une grande mèche haute, un rejet à nouveau sous les 1,1380. On comprend que le taux de change euro-dollar, là, il est en risque. Et si le taux de change euro-dollar devait basculer sous cette oblique, il pourrait retomber. Donc, alors, moi, si vous voulez, mon biais sur ce taux de change euro-dollar, sous les 1,1380$, c'est qu'il est tout à fait en risque de repli. Donc prudence. Le CAC 40 en intraday, je reviens sur cette approche en termes de vague d'Elliott. Cette fois-ci, je zoome sur la vague 4. Selon moi, les marchés actions de la zone euro sont dans une vague 4. Une vague 4, du point de vue du cycle elliottiste général, cela signifie que c'est une vague à exploiter dès lors qu'on anticipe son creux pour se positionner dans le sens de la tendance haussière qui pour moi est le mouvement dominant.
le mouvement de hausse qui a eu lieu entre 4115 et 5280. Alors, par contre, est-ce que c'est terminé? Bah, pour le moment, nous ne le savons pas, et notamment tant qu'on reste sous les points bas du 7 mai. Je vous ai expliqué que j'estimais qu'on était dans un range maintenant entre 4783 et 4870. Et d'autre part, il y a une ligne de tendance à suivre, qui est aussi très importante à suivre sur le DAX, c'est celle-ci, qui délimite un canal. Donc voilà concrètement dans quoi nous sommes là, voilà ce qui est à suivre ici sur le CAC. Moi, ce que j'observe dans ce scénario A égale C, où je reporte donc l'amplitude totale balayée par la vague A au sommet de la B, me permettant d'obtenir le point bas d'hier, 4783 points. Alors depuis, on voit que le marché se stabilise. J'observe depuis ce matin la relative résilience de l'indice CAC 40 aux nouvelles tensions du côté des taux obligataires au sein de la zone euro. Mais nous restons dans un range. Et en clair, tant que le CAC 40 se maintient sous cette première résistance à 4870 points, il peut tout à fait subir à nouveau un choc de baisse. Donc il faut se montrer ici tout à fait prudent. Ce qui serait par contre positif sur le CAC, ce serait de refranchir les 4870 et de remonter en direction des 5000 points. Et ça va réellement dépendre des fondamentaux, de l'actualité. Les fondamentaux macroéconomiques qui ne sont pas mauvais. Hier, c'est passé inaperçu parce que tout le monde ne regarde que la Grèce. Mais la croissance, le niveau de la croissance économique au premier trimestre au sein de la zone euro, il a atteint le consensus. Alors certes, il y a des pressions déflationnistes en Chine, mais on sait aussi que le gouvernement chinois, la Banque populaire de Chine, ont tout un tas de mesures pour soutenir l'activité économique. Quant à l'économie américaine, elle semble être sur un bon trend. En tout cas, du point de vue du marché du travail. Bref, à court terme, on s'est stabilisé entre 4780 et 4875. Moi, je vais vous montrer le DAX en intraday si ça vous intéresse. Le DAX en intraday, c'est la même chose. Nous sommes là aussi dans un scénario en trois temps. Regardez le DAX, ce qui tient. Le DAX, il est revenu chercher cette ligne de tendance. Mais on n'est pas pour autant sorti d'affaire. On a donc cette oblique de 2015 qui tient, mais le DAX, il est toujours dans ce canal. Alors, pour le moment, on voit que de manière acharnée, on a fait des mèches basses dans la partie basse du canal. Éventuellement, venir chercher la partie haute du canal à 11 100 points. Mais tant qu'on reste dans ce canal, il y a un risque. Le jour où le canal abandonne, pardonnez-moi, le jour où le DAX abandonne ce canal de baisse, là oui, on aura l'amorce d'un élément technique qui permettra d'envisager la fin de la vague 4. En termes d'extension, qu'est-ce qui nous a fait le DAX? Bon, je peux le faire avec vous en temps réel. J'attrape ici les extensions de Fibo. J'attrape le point haut. D'accord? Donc je prends l'amplitude totale de la vague A, que je projette depuis le sommet de la vague B. Je projette trois ratios à suivre. Le coefficient multiplicateur de 1, de 0,764, de 0,618, ce sont des projections usuelles dans le cycle héliotiste, en tout cas des proportions qui lient les vagues les unes avec les autres. Donnant ces trois niveaux. Alors, on constate là l'importance des 11 169 points, le point bas du 7 mai. Le jour où le DAX refranchit cette zone-là, ce sera fini. On aura fait un creux. Pour le moment, ce n'est pas acquis. Donc, le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50 se stabilisent, mais nous n'avons pas encore de signal technique en faveur d'un point bas. C'est tout ce que, pour le moment, l'analyse technique dit, avec des proportions qui sont bien sûr intéressantes. Et donc le Bund teste cette fameuse ligne de tendance haussière de long terme dont Adrian vous a parlé ce matin. L'once d'or en intraday teste donc ce fameux canal dont je vous ai parlé tout à l'heure en données journalières. La dynamique de l'once d'or est bien sûr complètement liée à celle du dollar américain qui retombe de manière étonnante depuis le début de la semaine. Dollar US n'a pas de bonnes raisons fondamentales de retomber, hormis le fait que des mots commencent à être utilisés par certaines autorités américaines en faveur du risque que représente le dollar fort pour l'économie américaine, ce qui a été avéré dans les chiffres du commerce extérieur aux États-Unis depuis début d'année. Donc c'est un fait, oui, c'est un frein à la dimension commerce extérieur du niveau de la croissance économique. Mais bon, dans tous les cas, la seule banque centrale
pour laquelle le marché envisage un resserrement monétaire, c'est bien la Fed. Et personne d'autre. Donc voilà, c'est des choses moi qui me paraissent importantes de noter. Sur l'once d'or, je surveille donc ce canal. On a au sein de ce canal qui constitue le mouvement de baisse principal une remontée. Bon, ça se joue là-dedans. Si on sort du canal, eh bien, on peut en effet se reprendre davantage. Alors c'est vrai, je dois avouer qu'on a quand même des signaux ici précurseurs. On a ici la cassure d'une oblique sur le RSI H4 du XAU-USD. Mais en l'état ici, on a un nouveau sommet sur l'indicateur technique non confirmé par l'action des prix. Donc dans l'absolu, on a une divergence baissière cachée, mais c'est pas non plus propre. Les prix ont toujours raison. Tant qu'ils restent dans ce canal, je conserve le biais négatif. Ils en sortent, je l'abandonne. C'est comme ça que je peux, moi, vous proposer quelque chose. L'analyse technique, elle sert surtout à gérer son risque en limitant le risque financier. Et c'est souvent des niveaux techniques comme ça qui permettent de le limiter. Bon, donc voilà, c'est ce que moi je peux vous dire sur ces marchés. Le taux de change USD/Yen. Alors forcément, bon, le Yen... Alors il y a eu une divergence baissière daily sur l'USD/Yen. C'était un piège au-dessus des 125 Yens. Ça retombe. Mais de manière générale, je vais basculer ici sur un graphique en données journalières du taux de change USD/Yen. Ça fait pullback. Ça fait pullback sur 122 Yens. Donc moi je me détends, je reste calme. Je laisse l'indicateur retomber. Regardez notamment l'importance sur le RSI daily de l'USD/Yen du niveau des 42-43. C'est globalement ce qu'on peut appeler la neutralité. Donc l'indicateur se replie par là. Il y a une probabilité intéressante qu'on y fasse un creux. Pour le moment, ce que je constate, c'est qu'on a cette ligne de tendance qui agit. Mais voilà, l'idée, c'est que je pense qu'ici, on est dans une zone qui n'est pas ridicule, donc voilà, c'est vraiment à suivre. Alors en effet, l'euro dollar, hein, suite à ce chandelier bien baissier en H4 sous les 1,1380, il y a un risque que ça retombe dans le meilleur des mondes possibles intermarché. On constaterait une remontée du prix des obligations d'État, une baisse du taux de change de l'euro et une tentative des indices boursiers de la zone euro de casser des résistances. Cela serait un ensemble parfaitement cohérent. Reste que cela peut se mettre en place. Remontée du prix du Bund, remontée du prix des actions, baisse du prix de l'euro. C'est l'ensemble qui peut se mettre en place dès lors que des données fondamentales se manifesteraient en leur faveur. Alors ça peut être des informations positives en provenance des négociations entre la Grèce et ses créanciers, ça peut être une déclaration de la Banque Centrale Européenne, ça peut être plein de choses. Ou ça peut être tout simplement le retour de la confiance, ou un repositionnement des investisseurs après 8 semaines de correction à bon compte, parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai le souvenir quand même que les investisseurs couraient après le marché, notamment au début avril, lorsqu'on était sur les plus hauts. Dès qu'il y avait une correction d'un ou 2%, ça payait. Bon, là, on fait 10, moins 10, ça n'a pas payé. Mais à un moment ou un autre où il y aura une espèce de démarrage, de retour des acheteurs, il pourrait y avoir un mouvement du type « Bon, bah, ça y est, on a fait le point bas. C'est le moment de se repositionner à bon compte. On n'était pas dans la première jambe de hausse entre 4100 et 5280. Alors, on est retombé à 4780. J'y retourne. » Donc, mais ce jour-là, on franchira des résistances et vous allez voir, ce sera une belle séance de hausse, mais pour l'instant on l'attend, cette séance. Mais le jour où elle a lieu, eh bien d'autres suivront derrière. Les taux obligataires, le taux de change de l'euro, le prix du pétrole, le prix des actions, tout ça sont des choses qui sont liées. Je mettrai peut-être un bémol du côté du prix du pétrole. Je pense pas que la remontée du prix du pétrole soit un handicap. Ça favorise d'autres secteurs. Je le mettrai un peu à l'écart maintenant, ce marché. Alors voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire. Un élément qui est favorable à la remontée du prix du pétrole d'un point de vue de l'approche intermarché, c'est les velléités haussières du côté du dollar canadien dont nous avons parlé hier. Déception forcément sur le taux de change USD CAD qui est resté couvert par cette oblique de tendance baissière qui a fait un double top sous les 1,2560. Donc on est toujours sous l'influence de ce double top. D'ailleurs, on peut en calculer la cible théorique.
pour envisager des targets, puisque souvent ce type de proportion marche bien. Ce qui a vraiment déclenché l'accélération, c'est la cassure des 1,2367. Donc dans ce niveau, sur le taux de change USD CAD, alors est-ce que ça va se stabiliser? On verra. Moi j'attrape ici cet outil. Je vais, alors attendez, je vais bien le positionner, hein, qu'on y voit clair, parce que là on n'y voit pas clair. Voilà, hop, je positionne ça, je valide, je rattrape précisément le point haut. Écoutez, le taux de change USD CAD, je pense qu'il va retomber à 1,2170. Il est sous pression et il peut baisser davantage, mais il peut se stabiliser à 1,2170. S'il y a un support qui m'intéresse, c'est donc 1,2170 sur l'USD CAD. Ou éventuellement on pourrait commencer à envisager la formation d'un creux, mais bon, il faut pas non plus, là c'est baissier, et on a même recassé la moyenne mobile à 20 jours, bon, c'est comme ça, voilà, on a fait un double top à 1,2562, ça retombe, et je pense qu'on peut baisser davantage, voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire dessus. Attention donc aussi à l'EuroCAD. L'EuroCAD qui n'a pas pour le moment réussi à franchir cette oblique de tendance baissière en place depuis mars 2014. L'EuroCAD qui devrait à nouveau revenir tester les 1,3760 et 1,3860. Il ne faut pas rebasculer en dessous. Ce serait vraiment négatif de rebasculer en dessous de ce seuil. Je me méfierais à court terme des ventes de dollars canadiens de manière générale. J'ai l'impression qu'il a envie de se renforcer davantage, ce dollar canadien, sur le court terme. Donc voilà, je pense qu'il faut là se montrer assez prudent. Je regarde d'autres stratégies. C'était... Voilà. Je reviens sur cette paire de devises aussi. Donc le GBPK, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Attendez, dans les graphiques. Voilà, je voulais revenir quand même sur des charts intraday des autres paires en euros. L'euro yen teste cette ligne de tendance, mais je suis méfiant. Mais c'est vrai que l'euro yen teste cette ligne de tendance qui est donc à court terme. Je la trace ici. En utilisant des charts intraday H4. Bon, mais je me méfie quand même de l'euro. J'ai le sentiment que l'euro peut baisser plus. Honnêtement, lorsque je regarde tous ces charts de l'euro, que ce soit l'euro yen, l'euro CAD ou l'euro dollar, eh bien, je n'ai pas envie de privilégier ce matin des stratégies d'achat. Ça me paraît risqué. L'euro yen, il peut retomber à 137,80, voire 137,50. L'euro dollar, sous les 1,1380, il est en risque. Après, ça va peut-être tenir. L'euro yen, c'est vrai qu'il teste cette ligne de tendance, mais voilà, je suis méfiant. On verra bien, hein, c'est le marché qui décidera de toute façon. Ok, l'euro GBP, double échec sous les 0,7380. Donc l'euro GBP qui reste positionné sous ce niveau horizontal. Il y a une ligne de tendance qu'on peut aussi essayer de surveiller ici sur l'euro GBP qui a été brisé. Là aussi, l'euro GBP finalement, il s'est peut-être installé dans un range entre 0,7260 et 0,7380. Il y a la possibilité de le voir retomber sur cette zone. Je vous rappelle que ce soir, c'est aussi une séance de banque centrale avec une décision monétaire attendue de la banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Cela peut se traduire par des rachats de short sur le dollar néo-zélandais, ce qui peut exercer notamment une pression sur le taux euro-NZD qui pour le moment temporise sous cette oblique de tendance baissière. L'euro-NZD peut lui aussi tout à fait retomber en direction des 1,55 par exemple, notamment s'il venait à casser les 1,5675. Donc de manière générale, ce que me dit ce matin l'analyse technique, mieux vaut se mettre à l'écart des stratégies d'achat de l'euro. Le taux de change AUD, USD, que peut-on en dire? Alors, le taux de change de l'AUD, USD,
Et ensuite, je vais regarder l'euro à UD. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je vais ici nettoyer un peu le graphique. Le taux de change, l'OSI, hein, il s'est stabilisé entre 0,76 et 0,7820. Déjà, de manière générale, depuis le début de l'année, c'est une espèce de vaste structure d'élargissement latéral. Là, on est dans ce range-là. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Entre 0,75, 80, entre 0,76 et 0,7820, c'est franchement la seule information que je vois ici sur ce marché. Alors attention, parce que le CAC 40 attaque sa résistance, 4870. Le DAX, je vais chercher le DAX, semble tenter une remontée au moins en direction de la partie haute de son canal de baisse. Le DAX peut aller chercher 11 100 points. On peut faire 11 100 sur le DAX. Voilà, c'est tout à fait envisageable, notamment. Et un CAC, le CAC peut revenir à 4 900, voire 4 930, si on déborde les 4 870. Notamment si le taux de change euro-dollar échoue sous les 1,1380, brise cette ligne de tendance. Et si la reprise, si une reprise voit le jour sur le prix du Bund. Mais voilà, on a des amorces de mouvement, il faut quand même rester méfiant. Mais voilà, concrètement, comment je vois les choses. Il y avait un indice boursier hier qui m'intéressait énormément d'un point de vue de l'analyse technique, c'est le MIB. Je vous en ai parlé hier du MIB. Et je vais donc vous le montrer si je le retrouve dans mes charts. Où est-ce qu'il se cache? Le voici. Le MIB, il était sur un support parfait hier. Franchement, c'était impeccable. Je vous montre ça. Je vous l'ai montré hier à l'aide d'un graphique en données journalières. Voilà. Le MIB, c'est le seul indice boursier de la zone euro qui n'a pas cassé ses plus bas du mois de mai. En clair, le MIB surperforme. Alors pourquoi le MIB surperforme? Il faut regarder sa composition. Dans tous les cas, d'un point de vue de l'analyse technique, le MIB sur 22 290, ça se paye. Et vous me permettez cette expression. D'un point de vue du risque, c'était l'indice boursier hier sur lequel on pouvait envisager une stratégie d'achat avec un risque financier limité par un stop sous les 22 288, le point bas du 7 mai. Alors autant vous dire que si le CAC tient 4 780, et si tout ce que je vous ai expliqué sur les indices boursiers au sein de la zone euro se confirme, on peut envisager la tenue de ce support sur le MIB. Et derrière, pourquoi pas une remontée en direction des 23 000, mais même des 23 880. Cet indice boursier, ne le sous-estimez pas, il a surperformé. Voilà, c'est le précédent sommet de l'année 2014. Moi, au-dessus de ce niveau, je reste positif sur le marché action italien. Alors, je réponds maintenant à vos questions. À quel moment pensez-vous que cette divergence RSI H1 sur l'euro-dollar pourrait être confirmée? L'euro-dollar serait vraiment en risque de manière globale, d'une part s'il casse les 1,1275, mais de manière générale, si l'euro-dollar rebascule sous les 1,1215, il retombe à 1,1050, quoi. Voilà, déjà, alors c'est pas fait, hein, il faut se détendre, hein. Et tout ce que moi je sais, c'est qu'on a un chandelier H4 de rejet sous 1,1380, il y a une sale tête, mais on n'a pas cassé de support pour autant. Par contre, on a rejeté sous résistance, donc on verra, hein. C'est de toute façon très lié, encore une fois, au taux obligataire, vous le savez. Si cet après-midi, les taux obligataires explosent à la hausse parce que une déclaration en provenance liée à la Grèce est rendue publique, l'euro, il va bourrer. C'est comme ça, hein. Donc, c'est le marché un peu directeur. D'un point de vue technique, sous 1,1380, le risque est à la baisse sur le taux de change de l'euro-dollar. Alors, les liens entre les différents marchés, j'ai tenté d'en parler. Alors, donc il y a quelques graphiques qui sont. Alors voilà, ça j'ai répondu à ces questions-là. La situation sur l'USD CAD. Alors, l'USD CAD sur le court terme, je suis assez méfiant parce qu'il y a un mouvement aussi qui est lié au dollar canadien. Je pense que l'USD CAD, il peut retomber à 1,2170. Donc, il faut pas l'acheter. Pas tout de suite. Il faut pas l'acheter.
Je pense qu'on peut aller encore, on peut aller encore plus bas. Alors, qu'est-ce que je pense? Merci Bruno. Qu'est-ce que je pense de l'AU des yens? Alors, écoutez, l'AU des yens tient un support, c'est un fait. Il y a un support horizontal sur l'AU des yens qui marche. Alors, moi, je n'ai pas forcément l'habitude d'étudier cette paire de devises. Donc, je prends un graphique qui est tout simple. Il y a un support à 94,60. Ça tient. Le dollar australien, il a fait une belle jambe de reprise durant la session asiatique. L'AU des yens peut remonter, c'est sûr. Notamment s'il devait casser cette ligne de tendance. De manière générale, l'AU des yens, c'est globalement un vaste trading range, là aussi, entre 94,60 et 97,26. Donc voilà, on a un niveau de support ici intéressant, mais il faudrait, si on brise cette oblique, on pourra remonter en effet davantage. Pour l'instant, c'est pas acquis, mais pourquoi pas. Ok, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. J'espère que ce point de marché, vous l'avez trouvé suffisamment clair. Je vous retrouve cet après-midi pour l'émission Wall Street Insider, mais avant cela, à 13h, le day trader des scalpers. Bon appétit à toutes et à tous, et à tout à l'heure.